ya mzuri, klima iko saa klima ya Goma tu baridi, tunafurahia na hiyo klima, tunasema hii ni mzuri, tunaitika. Lakini ukweli ya mambo sio vile, walikimbia kabisa. Le Congo a besoin d'être libéré. Le Congo a besoin de quitter na batonyo so o azagi na bango. Et pour que Congo elongwa na batonyo so, esingi biso bana mboka. Tu es bansu kolongo lo babengi la peur. Et vous me parlez de l'accord, il y a ce qui va bloquer na Luanda. Vous trouvez ça bizarre? Je trouve ça bizarre. Maramo nyoso ce qui peuple congolais boiko confondre te, tout besoin de fanatisme ya kolanda batmo kona sima. Ce n'est pas important parce que biloko na bango so zali ba France, Belgique, Angleterre et Suisse. Bazan intérêt ya kobanga mibali na bango wana ba occident, ba occidentaux pardon. Tu vois? Là de un, de deux. Et pourquoi bazan intérêt na kobanga bango? Basi na bango. Bana na bango. Bazan nationalité ya libanda. Bonjour chers fidèles téléspectateurs d'Ignos Télévision, bienvenue dans cette émission Les Révolutionnaires, présentée toujours par votre humble présentateur Platy, l'intelligence du travail. Je salue tous nos fidèles abonnés pour votre confiance et fidélité au sein de notre chaîne, votre chaîne Ignos Télévision. Et puis je vous demanderai également de vous abonner massivement. Na Pesili Susumote, na l'homme simple José Yungu et puis na Mama Rose la patrona, notre sponsor numéro 1. Sans oublier Mama Karine Louti depuis Australie, na Pesofe Bambo Tebele, na Bosani Pete Mama Sifa na Dubaï, Mama Sifa na Dubaï, ma coup de chapeau na yo. Sans oublier Josepha, mon ami Ida France. Ce qui boza Koulandangaï 5-5, na Banda Kounabino de partout là où vous êtes, c'est grâce à Richard Eram Mempe, au Yada Juste Nassimaya Caméra, pour vous proposer ces belles images. Comme je vous l'avais promis dans cette émission, la Koyambaka à tout moment pour vous, bah, révolutionnaire. Déjà, on a expliqué le terme révolutionnaire. Na bango, tokobandaka koyebaka bit ya révolution na bango, et puis en ce qui concerne les actualités. Aujourd'hui, je reçois pour vous TGV Les Voyants, et Zambane Yalibozote Alekasir, Ignos Télévision. Je pense que ça m'a été et belé baye billet. Ce qui est même mon nom, on a régi, à côté déjà qu'on fait la bilili. Pour découvrir tous ensemble, invité Yamukolo Mwalelo. Bonjour mon ami. Oui, bonjour, moi Namboka Platy. Naibite na qualifié na ba journaliste révolutionnaire ou comment, mais tu es jeune, tu es aussi révolutionnaire, donc Mbota Liboson na bandara nango pa bande konanga ba na Beni, Butembo, donc nord et sud Kivu, Ituri, je vais les voir ensemble avec vous. Comme je vous dis toujours, mon combat n'est pas pour ma gloire, c'est pour la libération totale de l'Afrique et le Congo en particulier. D'où on a intérêt à sauver notre pays, et pour sauver ce pays, il n'y a qu'une seule solution. Le soulèvement populaire. Nous devons se révolutionner, une très grande révolution, et ça, les Mapo Gato libérer Mboka Nabiso. Et je lance toujours l'appel à la génération 70, 80, 90, 2000 ans, venez, nous devons récupérer les affaires. C'est la résistance qui est aux commandes aujourd'hui. Plus question de la majorité ni de l'opposition, et c'est la résistance qui détient la clé de ces pays. Merci beaucoup TGV Le Voyant, vous êtes suivi partout dans le monde sur Ignos Télévision. Un mot pour nos fidèles abonnés qui nous suivent de partout. Merci beaucoup. J'ai toujours dit que Bandeko Nyonso Bolandaka Bisson avait été Ike na Ignos. Je vous demande toujours de s'abonner et pour que vous suivez Mingi la personne qui détient la clé de la résistance au Congo. Et à Kinshasa en particulier, donc Boebi et Zalité, je vais les voyants. Je vous demande vraiment de s'abonner et de suivre cette révolution et de partager cette émission pour que le monde entier soit comme un esprit au bisou de la Tia, on a Katia Congo, il y a révolution. Merci beaucoup TGV Les Voyants nakolinga opesa biso analyse na ngam na bino ba révolutionnaire ndenge bomeki ko sala par rapport ya guerre ya est comme na niveau ni ne peso kindi ndenge ni. Merci les sous moi Namboka, na otiko lobelo moko a très capital. Le Congo va écrire son histoire seul. Le Congo a besoin d'être libéré. Le Congo a besoin de quitter na batonyo so o azagi na bango. Et pour que Congo elongwa na batonyo so, esingi biso bana Namboka. Tu es bansu ko longolo babengi la peur bobangi. Et surtout longoli ko banga, bo comprendre que makamubele ekuya. L'histoire auto-vivre lelo, c'est l'histoire qui était écrite par les colons et l'Occident. Et maintenant, pour ne pas coucouer en bas, nous devons se prendre en charge. Il n'y a rien où il y a libéré le cannabis, ce qui soulève la popularité.
la guerre, il y a Est. Vous le savez très bien. L'ennemi a été identifié depuis longtemps. Mais non, il y a une histoire où la non. L'ennemi a été identifié depuis longtemps. Et comme l'ennemi a été identifié depuis longtemps, nous devons maintenant agir. Agir en quoi? Le tout-ci où l'Occident a laissé au peuple congolais, ce qu'on appelle, ou les Africains, ce qu'on appelle la théorie. Bon, ça n'a y a ôté les sur le terrain. Et alors que ce n'est pas ça le cas, nous, Banabilaka, on a compris cela. La résistance doit être en place parce que le Congo est sous l'occupation. Quand on parle de l'occupation, on voit les États-Unis, la France, la Belgique, la Suisse, la Grande-Bretagne, donc l'OTAN dans l'ensemble, et via le Rwanda, Burundi, Ouganda. Et combien de fois pour que vous compreniez le coup? Moi, si je suis là où je parle là, je vous incite à se lever, à se prendre en charge. Parce que nos frères, nos sœurs sont en train de mourir là-bas à l'Est. Et voilà, Kinshasa, Batbao, Lukabasa là-bas, Feti et tout, qu'on sort avec un régime de jouissaires. Vous savez les contrats que Chilomba a signé pour Est-Nabissouana? Je vous relate ça ou je vous dévoile ça aujourd'hui. Un, il a signé 4 accords. Et les 4 accords là qu'il a signé, APCI, des brigades M23. Il y a les bourgeois, les brigades qui ont siégé dans Mbanzangungu, dans Kanabisho, dans Mbanzangungu. Et deuxième cas, c'est dans l'Est. Bon, le niveau. Et pour aller plus loin, chose grave, on a une seule armée dans ce pays, qui est le FARDC, Forces Armées de la République. Il y a Bissot. Mais bah, quand il y a contre un troisième groupe brigade au Pays Sababi, ex-militaire, il y a MLC. Donc, MLC, et ça rappelle à Kati, il y a Bouzo Bawana. Comme l'IDPS a comploté depuis, sous Hippolyte Kanambe, que moi j'appelle, que vous vous appelez Kabila, c'est pas donné à tout le monde. L'IDPS, c'est une malédiction pour le Congo. L'IDPS, c'est ça, il y a Bakala, Nakati Yamboka Oyo. Et bah, ça, là, qui va encore Wana depuis. Il pourrait se rendre à pouvoir, mais par contre, suivez l'audio de Willy Ngoma, l'un des M23, le commandant Willy Ngoma, à l'Obiango, à ça, l'audio que j'ai ça. D'ailleurs, je vais vous balancer, botcher la bango bayo comme vidéo. Vous voyez, voilà. Et ça fait du mal. Et Sidi Karaté, quand il a parlé d'ex-militaires de MLC, il est peut pèse sous 4e brigade, il y a général Mouleli. Donc, FARDC, ils ont tina T, ils ont besoin de vous aller infiltrer dans 4 sabousses de bananes. Et tout ça, c'est qui l'auteur de tout ce Chilombo? C'est pour ça que je vous dis, Félix Tshilombo, c'est une malédiction pour le Congo. Et pour que notre Congo soit libéré, nous devons s'élever comme un seul homme. Seule solution, c'est le soulèvement populaire. Batoto ya Goma, Beni, Boutembo, Mi et TGV, Niko ya Wabo, Niko ya Semak, Apa, tout na solution tout moya. Solution moya il est Iko, soulèvement populaire. Soulevons-nous pour que notre Congo soit libéré en tout. Na hymne national Boyembara. Nous allons léguer. Bon, léguer bana na bino nini. Bon, ça la promesse. Na katia hymne. Bon, yoka. Mais nous sommes là pour se révolutionner. Il n'y a plus question de l'opposition au Congo. Il n'y a plus question de la majorité. Et on parlera maintenant aujourd'hui la résistance au sommet de l'État. Merci. Merci, moi, Lamboka, TGV, Nakolingape, Bayi, Internaute, Bayoka, Audio, Yamakamouti, Koloba. Et bon, Otozonga, juste après. Allô, Major Willy Ngoma, Jambo. Bonjour. Bonjour, Major Willy Ngoma. Bonjour, bonjour. Ah, ici, c'est Charles Moulingati, journaliste de la radio Kivu Star à Goma. Enchanté, merci beaucoup. Ah, on voulait intervenir en Swahili. Parce que vous êtes là en direct de la radio. Raïa Gome. Il n'y a pas un problème. Raïa Gome n'a pas qu'à kusikiliza na kujua kabisa de nini na endeka kongambo ya Butchuru mheshimiwa. Parce que tulitaka tujue kwanza kama ni wewe porte parole wa M23. Dimi Major Willy Ngoma. Accent Major Willy Ngoma. Tutaka tujue kama M23 iko na objectif gani? Isi kuzote M23 inapigana. Tukiangalia tangu epoki ya wa Makenga, epoki ya wa yao watu wote wamepita kwenye M23 na paka hivi. Bangai wanapigana tu. Alafu raia itaka ijue kama objectif ya M23 na kwaka nini? Paske ni watu wengi hawaelewe nini naendeka, nini napitikana kwenye nchi ya Kongo, sirtu ngambo ya Rutshuru huko.
cette santé. Et voilà, quand on s'est naïf, tu fais tout comme avant ta guerre, et ton enseignement en France. C'est-à-dire, on a un peu de vie, qui soit ton enseignement, on a un peu de vie, pardon. Après, on a un peu de vie, pardon. Comment tu as un peu de vie, à dire à Sababu Fulani? Gouvernement ya Kongo inajifanya shida vizuri sana. Maana wanadanganya raia hawaseme kweli. Yeah. Kama kuna kile timamu kubwa. Tunaweza kupigana wakati ya Rais Joseph Kabila. Yeah. Tulisema kwamba gouvernement ya Joseph Kabila ilikuwa inaongoza nchi vibaya sana. Tulisema ndani ya FARDC ilikuwa na watu wa kugradi ya army. Malikuwa na connivance na ba groupe armé étranger 20 km ya Kinshasa. Roma naita Kayembe ya ex première brigade blindée. Yeah. Tunaitika. Tulienda tipale tunaangalia hiyo camp. Tunaifurahia sana. Klima ya mzuri, klima iko ta. Sa klima ya goma tu baridi. Tunafurahia na hiyo klima tunasema hii ni mzuri tunaitika. Yeah. Lakini tunamwombea hiyo maneno yote. Ile brigade ingekuwa na mission gani? Ingekuwa na mission ya kuenda kupigana na ADF nalo. Mhm. Hiyo ilikuwa mission ya brigade tulisini. Kataba politisien ya M23 yote batakuwa chini ya uongozi ya Tshisekedi juu ya kampani yake fasi yote. Yeah. Tulikubaliana hiyo maneno. Tulikubaliana maneno na Tshisekedi tulisini. Tulisema tena nini? Tulisema hivi. Kama wanaona mbele d'abord tufanye hiyo maneno tulikuwa identifié. Yeah. Bali tulidentifié jeshi yote ya M23 tulikuwa identifié. Tulikuwa identifié deux fois. Mm-hmm. Première fois tulikuwa identifié na kan uyu banaita Biyanga Training School. Mm-hmm. Na hii banda na district hii banda na Uganda ndio pale kulikuwa ikala watu walikuwa kutuidentifie ni wanani. Ilikuwa na mtu wanaita ambassadeur ya République démocratique du Congo na Uganda, ilikuwa général lieutenant le fenani général aya général nani jina yake takuya. Yeah. alikufa dernièrement, alikufa nani général Delphine Kaimi. Ilikuwa na ministre Delphine Kaimi. Yeah. Ilikuwa na ministre ya Defense. Yeah. Allô? Yeah. Allô? Allô mon major. Allô mon major. Sisi tunapenda amani. Yeah. Wana wakongomani kama watu wiko na kimbia wa nyumba, watoto wiko na kosa wa examen. Et voilà. Na sisi haiko natufurahisha. Lakini ukweli ya mambo government ya bwana Tshisekedi na donc awapendi njo amani, apendi kutatua shida. Badagana tuende Chengerero, tupande Chanzo, mimi na wewe gari iko. Convoy ya FARDC tulikamata iko, niko natembea naye. Kwa hiyo nikutembeze uone wewe peke juu. Wanasema maneno, yeye unafuata maneno ya social media. Mm. Lakini ukweli ya mambo sio vile. Walikimbia kabisa hivi. Sasa ndani ya kompo watakuelezea. Wengi wanasema Wilingoma ni Mnyarwanda, ametoka Rwanda, wamemkamata Sagi si mercenel parce que mtu mwenye akili wamemweka ndani ya hapa. Na mimi ni jeshi ya zamani, nilitoka ndani ya jeshi, niliingia na maneno, nilikuwa pale nilifundisha hata pale na ujuzi, watu wengine wananijua, watu mingi watoto wa ujuzi wanajua Wilingoma, watu wa kibarabara. Nilikuwa naandika na IDPS na tableau. Uliza wewe mbona alikuwa anaandika na tableau pale? Haiko mimi. Wakati nilitoa kijeshi nilikuwa naandika kwa tableau. Watu wote wananijua. Sasa nageuka tena Mnyarwanda na mna gani leo? Mimi ni kala dibu bwana. Maana nilisema ulikuwa naandika na tableau hapa fasi ya IDPS hapo Goma. Voilà, Touti Kolanda audio. À part audio, il paraît que le général numéro 1, il y a M23 à l'obaki na yebite yo peso ki Olanda ki ngoke azali mutu ya IDPS. Mais quand je parle de Wilingoma, mais c'est lui là la personne dont Wilingoma lobela. J'ai des photos, je vais vous envoyer. Il était avec Chilombo. Na ba ne wana batwa yeba ki était. L'IDPS aza le ko la na yebite le baronini. Le rôle de l'IDPS a été créé
pour distraire la population congolaise. Ne m'a pas nié ça. L'IDPS a vendu le pays. À chaque fois, il y a rencontre entre Kagame et Chilombo. Aujourd'hui même, je vous parle, il y a eu Aloumé ou Arudjo. Il y a eu de morts aujourd'hui à cause de qui? Et vous me parlez de l'accord, il y a ce qui est à Luanda. Vous trouvez ça bizarre? Je trouve ça bizarre. Maramo nyonso sugi peuple congolais boiko confondre te tout besoin qui fanatisme ya kolanda ba tout mona sima, ce n'est pas important. Poutine, je ne parle pas d'abord de Poutine. Le peuple congolais doit comprendre que non, je vous incite à se soulever, à se prendre en charge car le pays est en danger. L'Occident ne nous aime pas. L'Occident aime le Congo sans le Congolais. L'Occident aime l'Afrique sans les Africains. Et vous êtes où pour se prendre en charge? Et il est temps. Si on rentre à cette carrière de 2023, c'est fini pour nous, on devient des esclaves. Donc d'où il est temps de chasser Chilombo dans ce pays. Il ne mérite pas d'exister au Congo. Et tous les politiciens congolais que je vous parle, Fayulu, Bemba, Katumbi et autres, ne sont pas pour les Congolais. Le président Eli. Quel président Eli? Moi je suis de la résistance. Les gens qui parlent de la présidence, le président Eli, c'est eux-mêmes. Les élections au Congo n'ont pas de place. Je lançais déjà un slogan pour tout le monde. Pas des élections de ce pays en 2023 où il y a soulèvement populaire. On n'a pas le choix. Et maintenant qu'on fait allusion à l'Occident ou à Poutine, vous le savez bien, je suis là parmi les jeunes avec notre mouvement, autres en collaboration avec la Russie. La Russie vous dit clair que non, elle est prête à aider l'armée congolaise dans Mamandoki. Atina qui est une délégation de Baya. Atina une délégation T. C'est à travers nous, vous comprenez bien. Je vais vous expliquer ça. Atina délégation T. C'est à travers notre mouvement, le jeune leader du Congo, parce que je suis le coordonnateur national de ces mouvements-là. Je salue d'abord Gaëtan Monakasala, notre vice-coordonnatrice. Avant de répondre, s'il vous plaît, et bon, délégation au Poutine, au Tikotina, au Bakenaki, pour Akouda, la chef de l'État, Bayami Bangote. Poutine a une délégation T. Je vais expliquer, yo. C'est notre mouvement qui est parti demander la collaboration entre le Congo et la Russie. Là, de un. Il y a des choses qu'on ne peut pas dévoiler ici. Et maintenant, ils ont vu que, oh, bah, jeune Bakekuna, nous devons maintenant faire le big moto intercalé Bango. Et ils n'ont pas réussi. Ils ont envoyé Ibalanka, c'est Ibalanka, le monsieur là que tu as vu avec M. Victor Tokmakov. Oh, Yozo, la délégation, c'est la deuxième personnalité de l'ambassade russe, chargée des affaires. Victor Tokmakov, c'est lui. C'est lui qui me tue au monde en la photo. Il y a surtout Bango Sadara. Bango Bakiro Lukaye, pour qu'il va changer d'identité, va changer Maloba, elle va Babani. On dit baza ba autorité congolais bazali pro occident parce que biloko na bango sozali ba France, Belgique, Angleterre et Suisse baza na intérêt ya kobanga mibali na bango wana ba occident, ba occidentaux pardon, tu vois, là de un, de deux, et pourquoi baza na intérêt na kobanga bango basi na bango bana na bango baza na nationalité ya libanda. Bango moko baza na nationalité ya libanda. Maintenant bazo luka ko approcher ici pour bazwa maele ya ici ba ke nokote ke lango occident. Comprendre? Alors que le peuple congolais a besoin de la Russie aujourd'hui au Congo, parce que la guerre de l'Ukraine nous a montré, nous a dévoilé, a démasqué l'histoire occident qu'on sait qui pendant Congo. Tu vois? Et Monsieur Tokmakov a bien dit dans son discours, la Russie est prête à aider la RDC. Pourquoi la Russie est prête à aider la RDC? Chilombo a commis ça amer, après ça il convoque Kalala. Ndita Kalala. L'ambassadeur, il y a aux États-Unis. J'étais à Lubumbashi, sur le moment de Bituka, minéré de Jobima, on est à Moutouana. À combien de temps on continuera à Tamboka Oyo? Nous sommes des Bantous, vous devez comprendre. La première des choses, amer Kalala, Ndita, que moi j'appelle la Asala Tshisekedi, les amis, Arenda Fouga Misséna, cimetière à Papa Naye. Nous sommes des Bantous, vous devez comprendre ça. Si je me trompe, c'était le 1-5 avril ou 25 avril comme ça, pas 2019. Dede Kagame laï, Chilombo qui refouga mela, bato ba koufou na génocide ya Rwanda. Mais à bon sens, Bandeko ba se calciné na 12e ri awa. A craché sur ma mémoire Bandeko na biso. Aujourd'hui, quand vous parlez de août, babi de août, c'est les arani na kata Congo. Jour ya génocide na kati ya RDC. Mais qui parle de ça na kata Congo? Et nous ne devons pas suivre ces gens pareils. Donc, ce que Ibalaka a fait, sur le côté, pour aller plus loin, vous allez voir, la page d'ambassadeur ici, au moins, on va publier. La Russie est prête pour aider la RDC. Les États-Unis a voté non. Pour
pour que l'embargo sanini et continue. La France, oh, tu sais que Macron a voté non. La Suisse, la Belgique, la Brésil, Belgique, oh, il y a eu Rouawana, Nokiwana, ben Philippe. Aïe, il y a quatre, il y a convoi l'on et l'on a fait. L'on a le coûté, ben y'a awa. Si c'est blague avec le Congolais, et si vous pensez que le peuple congolais sera aveuglé encore, Bobiko aussi. Vous nous dites qu'il sera bino 100 ans après, l'homme noir deviendra blanc. L'homme blanc deviendra noir. Et c'est ça, l'Afrique et le Congo sont la libération d'un groupe. Et nous, M. Chilombo, tu as intérêt soit à démissionner, soit à quitter ce pays dans l'immédiat et sans condition. On n'a pas besoin de tout de ce pays. Tu as voulu vendre le Congolais, mais tu as fait l'erreur. Bande quoi Joseph, Batekara Joseph, Nandara Pharaon, mais nous avons un destin à Zaïkouna Koumanani, Mokondi. Vous n'avez pas quitté le peuple congolais. Votre nom, tu sais qu'il dit, sera oublié dans ce pays et dans le mal. L'IDPS, Union pour distraire la population congolaise dans la souffrance. Merci. Merci beaucoup, TGV. Le voyant, bien déjà, Nasuka, Outi Koloba et Lokomoro, très important. Tango ba occidentaux, ba lobi non, na apport y a reçu. Rissi nangam na bango, ba lobi ni. Ba occidentaux, ba lobi non, na part y a récité. Nations Unies, aux journalistes, vous avez information, madame. Nations Unies, ba ke pour voter pour lever l'embargo, y a ba chair armée pour na faire DC, na Congo. Nzita kala la oh tu sais que d'appeler ça combo. A comment on laisse aller pour les maillots na capé là. Vous voyez comprendre? Bah voter non. Mais le pays est en guerre. États-Unis ont préféré repérer ça Ukraine mais nous qui pas bouni ça ici pour l'intérêt na bango. La Belgique oh y a ici roi na ligne la Kindoki. Bah quoi ça gagne ligne le Mumba. Bah venez vous commencer spirituellement et je vous rassure peuple congolais le jour de soulèvement populaire. Bouka statue nyo so bouka mosle nyo so moi na kati ya Congo. Ezali biloko spirituel pour anéantir peuple congolais. Et il est temps peuple congolais tellement c'est moi tes jeunes qui vous les parle. Il y a plus question de père dans ce pays et personne va nous faire peur dans ce pays. C'est notre Congo, c'est notre papa, c'est notre maman. On a intérêt à libérer notre pays, nous sommes des jeunes. Aujourd'hui moi j'ai 35 ans. À 50 ans encore j'ai sous-boité et Chilombo tu as intérêt à déposer. Chilombo tu n'as pas intérêt à sacrifier ce pays. Et l'union des Imbéu que moi j'appelle oh bah ça là on a les fruits du mensonge. Vous ne méritez pas les enfants des impérialistes. Vous ne méritez pas de rester au Congo, d'exister au Congo. Et nous la résistance on vous met en garde. Il est temps que la résistance prenne les affaires. Et Chilombo, tu ne mérites pas d'exister dans ce pays. Tu ne mérites rien dans ce pays. Merci. Le nom de ta famille sera oublié dans ce pays. Donc plus que va comme on est sur la famille. Merci. Chers fidèles téléspectateurs d'Ignos et Télévision, tous ceux qui n'ont pas eu l'émission d'Abisso, mais nous avons eu l'avant-dernière rubrique où nous avons eu la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, le peuple parle, et bon, nous avons juste après. Mbote, mon ambo. Oui, Mbote. Comment est-ce que tu as oui, comment est-ce que Gabriel, quand tu as Massamba, tu as une tendance. Tu as dit que Wenge alakaki fardese mbongo après concert mais mbongo ngo ba pesi e bungi armé bazuna no elo côté contribution na mwana mbongo bon mboko na biso ba lobaka a lobby na TV ba tu ba moni mais ba kulinga ko kokisa likambute donc a lobby po ba mona mais po na ko kokisa boy ba kokisa raté parce que bandi na bangoti et bandi total ba match ya bana basi donc ba beti ba le souka nango donc bazo ba mbongo na bango te ba yana victoire mais bazo ba mbongo te tout ça ba lela trop donc mboko na biso za la bo mbote mona mbo mbote ndeko na ngai kombo na ni peto za bon kombo na nga Peter Bender a to za na livulu juste na commune à Lemba. Tomoni lelo wenge abanaki kuganga avant concert que bakopé ça quelque chose pour na armée. Mais tomoni ba libérer mbongo ngo plus de 580 millions ebungi contribution na mo lambo. Bon, eloko wana ngai premièrement nazo condamner wenge té. Baloba toujours que non dans un peuple s'il y a pas un mauvais donc il y a pas un mauvais chef, il y a pas un mauvais trouvia qui est mauvais chef. C'est juste que non, le problème n'est que nous avons un niveau à tête Nabiso. Ngai premièrement selon moi, c'est que Nazala qui premièrement déçu du fait que non Wenge ezo beta na tango o que non biso population bande ko bazoko fa na est. Nazala qui vraiment déçu ma kasi. To
Outi Kolanda opinion il y a peuple peuple azako se plaindre à tout moment une petite commentaire moi commentaire moi mouké bon motoshite. Le commentaire est que j'ai toujours dit mon combat n'est pas pour ma gloire, c'est pour la libération totale de l'Afrique et le Congo en particulier. Quand je parle du Congo, je parle du royaume Congo et non le Congo avec C où ils allient occupation. Et j'appelle à la jeunesse de venir nous rejoindre à la résistance. Il est temps de récupérer les affaires. La génération 70, 80, 90, 2000 ans, il est temps de diriger ce pays. L'avenir du Congo, c'est la jeunesse. Ce n'est pas la vieillesse. Nous avons 80 ans, 70 ans, nous avons un peu de temps. Nous un peuple qui va contribuer aux Congolais. Et un groupe skill de gens va commencer à faire. Au Congo, il faut tuer. Ni n'y a pas de salité. Là, je vous dis, je suis sans pitié. Droit de l'homme. Droit de l'homme est que nous avons 4 Afrique, on n'a pas besoin de ça. Parce que l'Afrique a copié la politique où ils ont. Même Nzambe. Nzambe, pour ça, les sacrifices, c'est un qui m'a killa. Et c'est ma killa. Vous voyez? Mais pourquoi vous voulez que c'est le père? Et moi, je vous appelle à la jeunesse. Et tous nos mamans, tout le monde qui veut soutenir ces combats de la révolution ou de la résistance, venez, nous sommes là. La résistance est maintenant au pays. La résistance est maintenant au Congo. Et c'est partout. Batoto ya Goma, tous les coordonnateurs des JLK, je vous salue. Maintenant toujours, tenons bon. Il est temps de tourner la tête vers la Russie. Quand je dis tourner la tête vers la Russie, ce n'est pas retourner que la Russie m'a en abysse. Nous devons collaborer parce que le Congo a besoin de collaborer. Ce qui est foufou, matembele. Donc tu retiens place mon lié. Ne bongo. On a intérêt à décoller notre pays d'une autre manière, à une autre forme. Et tous ces politiciens congolais, moi, TGV, je vous mets en garde. Opération Kanga Distraction. Oh, étant ami église, bar, bralima, bra Congo. Oh, nous, je me mets en Congolais à distraction. On va enterrer ça. Et ça commence déjà. Merci. Chers fidèles téléspectateurs d'Ignews et Télévision, Tokomi na Souka, il y a émission ya Mokolo Mwalelo, Toleki na rubrique ya Souka, Oyo Ezalaka question. Avant na Yambayo, Ezali na Bandeko, ba pesa ki mituna, donc on peut répondre sans réfléchir. Donc na yebisio mutuna na yo, ou pesi biano. Mutuna ya liboso ya Bandeko, Ezali boye. Balobi, na ngambo na bino ba révolutionnaire, bozo ganga trop, Rissi, Rissi, Rissi. Rissi ya mwa koya, ako pesa bino manduki sans toutefois y pas soit quelque chose. Merci. Yaron a besoin sans réfléchir. Le Congo a besoin de collaborer. Ce qui osana matembele, nga osana fufu. Donc ce qui veut dire que nous faut tout changer mais ça m'a pas nini tolia. Donc ce qui réussit à faire RDC et ça que tous ont intérêt. Biso minerai ton machine tout ça il a rangoté. Ce qui osana machine. Toi c'est que non, je dis province ya Congo, il exploiter minerai na biso pendant 2 ans. Mais bon, il y a besoin de la province du Congo, la société, l'emploi est créé, mais il y a 4 du Congo. C'est pour ça que je dis que non, le Congo a besoin de collaborer. Point. Merci. Motou dans Moussousou et Zali Boué. Baïmboka, Batouna qui est pour Oni, Akitimboka, Ondengue, Bamali, Bengane, Français, Ezo Sengani. C'est pour cela que je vous dis, opération Kanga Bralima, Kanga Distraction, MONUSCO, Oni, Nations Unies, vous tous, les ambassades, il y a impérialistes. Boué, Bango, je dis que non. Ce qui vient, c'est le fait. On n'a pas pitié. Nous sommes sans pitié. Tokobomana, bon amour, on a bisou et ça a libéré. Donc, bon amour, nous sommes longs. Moi, je vous rassure. Je mets quiconque au défi dans ce pays. Il n'y a personne qui nous fait peur. Tokim Sabango, namora ouyo. Motuna yasuka batuna kiyo parce que baye benge na koyamba yo. Balobi na ngai na ba politicien nyoso baza au pouvoir. Soki moko abimi candidat présidentiel yo pona. Ido yo oko voter na inanga muna yo. Na katso na bokuse seule solution pour sauver le Congo, c'est le soulèvement populaire. C'est la résistance qui doit prendre la clé et les affaires du Congo. Tous les politiciens congolais, opposants, majorité, Baza Batote, Bemba, Fayulu, Hippolyte Kaname, Obenga Kabila, Chilombo et autres au nyoso boyebi. Bazali na importance morale na katia mboka. Oh, il mérite d'être d'ailleurs chassé très loin du Congo. Bata la Congo la musika. Merci, chers fidèles téléspectateurs à Dunos Télévision. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était TGV, les voyants, Kakanengi Aoti Koloba. Et puis je rappelle, c'était votre humble présentateur Plati, l'intention d'y travailler. Il y a émission découverte, mais à zapper na émission, nous sommes combo ya révolutionnaire. Na monoza na mode de la fin ya Koloba. Et puis contact pour na batuba kosa na besoin. Congo Mani, Ingeta, Ingeta, Ingeta. Place sur vos alliés, le combat est spirituel. Nous devons s'assimer. Je le répète très bien. Notre combat n'est pas pour notre gloire, mais c'est pour la libération totale
de l'Afrique et le Congo en particulier. Et il est temps, je lance l'appel à tous les Congolais, là où vous êtes, venez rejoindre cette résistance. Venez rejoindre notre mouvement pour que le Congo soit libéré. Nous, on a intérêt à libérer notre pays. Bah, Congolais, ni bisika na sobozali. Bande konanga ya beni butembo. Est mobimba. TGV les voyait ensemble avec vous. Bientôt j'arrive à Goma. Bientôt j'arrive à Beni. Bientôt j'arrive à Butembo. Nous devons en finir avec le Kagame là que vous, bon, on a gagné Nzambe, Hitler. Aussi la naïe parce que Congo est une libération dans le total et nous devons écrire notre histoire seule. Ma dernière parole est que il est temps de tourner la tête vers la Russie et je lance l'appel à Poutine. Monsieur Poutine, il est temps, c'est sans condition. Venez directement au Congo, on a besoin de vous. Tous les peuples congolais ont besoin de vous. C'est sans condition, on est prêt à faire tout pour sacrifier que la libération est à la carte. Yambo Kanabiso et tu l'ombo. Je te dis, tu es un corbiard au sommet de l'État qui conduit les mêmes Congolais au cimetière. Mais en oubliant que lui-même, il s'est conduit au cimetière. Et toute personne au Matagana corbiard, eh bien, la rara, nécropole, kinkole, kitambo, bah, cimetière, nyoso, neti lombo, ingeta, ingeta, TGV les voyants. Merci beaucoup, je rappelle, c'était votre humble présentateur Plati, l'intelligent du travail, na émission Yassika, le révolutionnaire. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Et le cas qu'on a koloba, tout ça na rubrique moko Yassouka, au baïmbo kabo pesaka mituna, parce que na ba émission, na yebisaki bino toko yamaka à tout moment les révolutionnaires. Na zo pesa numéro na ngai, okoki kwa, kobenga, kokoma, tout ça, numéro à téléphone 082-25-89-512 plus 243-82-25-89-512. WhatsApp, contactez-moi à tout moment. Wana ya TGV le voyant, soki pe boza na mituna boko tourné na numéro wana, soki boza pe na posa azonga lisusu boko benga biso na 082-41-29-950. Là, po na mituna, je rappelle bien po na mituna. Oza na mituna na yo ba question o lingi ke na poser invito na koyamba. Je rappelle na koyamba na émission réseau ya soit fils Mukoko, soit Blaise Lumbu. Donc moko kaka ya ba révolutionnaire soit Lumumba. Donc baza ebele, pesa mituna na yo na ko poser po na bino e boko za décider et surtout, abonnez-vous massivement sur iNews Télévision. Portez-vous bien, nous allons nous retrouver au prochain numéro. Bye.